Owen venait de prendre la relève au rame, mais très vite, il sentit ses bras le tirer. Déjà fatigué ? Étonna Gohan. Par croire que je n'ai pas de muscles. Ça se travaille. C'est juste que tu n'as pas l'habitude. C'est gênant tout de même. J'ai toujours vécu sur le Gaelop Gorm. Et pourtant, je reste celui qui est le moins capable de le faire avancer. Et je ne suis pas fichu de ramer sans maître. Tu dois bien exceller dans un domaine. Oui, celui de chercher les problèmes, ce qui oblige Brenna à tuer pour me sauver la vie. Dis pas ça. Je suis certain que tu es excellent dans quelque chose. Sur Agohan en reprenant les rames. Tu vas bien finir par trouver. Père. Allez, ne fais pas cette tête là. Je suis un bon à rien. Si je reste à bord, c'est parce que mon père ne veut pas me jeter. Mais je ne sers à rien à part apporter les ennemis. Le reste du trajet se fit en silence et la chaloupe qui était désormais arrivée à l'île se faufila dans l'embouchure d'une rivière. Owen regarda le ciel qui commençait à se couvrir de petits nuages. Ça change drôlement vite ici. Lâcha-t-il. J'espère qu'il n'y aura pas de pluie. La chaloupe remonte dans l'embouchure d'une rivière. Je pense que nous pouvons y aller. Annonça Miss Kay. Je vous accompagne dehors. C'est bon. Traduisit Brenna en rabattant sa capuche sur sa tête. Nous y allons. La chaloupe arrive. Comment on dit au revoir? Tu peux dire Tiarmst ou Bless Bless. Gwendoline se précipita en boitant vers Eldir qui tenait sa fille dans ses bras. Bless Bless Ram. Sourit-elle en agitant la main. Bless Bless. Répondit cette dernière en agitant aussi la main. Prenez soin de vous. Murmura Eldir. Nous resterons très prudents tant que nous ne serons pas à bord du navire. Merci pour tout. Vous pensez que l'on va se revoir? Demanda Brenna. Je l'espère. Si un jour tu reviens dans le coin, n'hésite pas à venir nous voir. Merci. Au revoir Eldir. Au revoir Ram. Il inclina la tête en la saluant. La jeune femme prit Gwendoline sur son dos avant de suivre Miss Kay. Ils sont tellement gentils. Murmura la petite fille avec un sourire triste. On va les revoir, hein? Je ne sais pas, Gwendoline. Tout va dépendre de si le Galagorm refera route vers l'Islande ou non. Mais j'espère bien revenir. Pourquoi est-elle triste? Demanda Niskaï en regardant la fille de Bryn, qui avait les yeux larmoyants et qui reniflait doucement. Elle est triste de vous quitter. Elle vient de me dire que vous êtes très gentil et m'a demandé si nous revenir. Nous nous reverrons, j'en suis certaine. Prête à sortir? Prête, mais je ne vois pas de sortie. Lève la tête. La jeune femme obéit et vit que la lueur du jour perçait la glace un peu plus haut. Un petit escalier assez étroit avait été creusé dans la glace et montait jusqu'à la lumière du jour. Vas-y d'abord, assura Niskaï. Si tu tombes, je te rattraperai. Brenna s'exécuta tant bien que mal en tenant fermement Gwendoline. Elle lâcha un soupir de soulagement une fois la dernière marche franchie. Il y avait une petite ouverture dans la glace, on pouvait y passer en baissant la tête. Attention à toi, prévient la seconde des Noël pour que la petite fille ne se cogne pas. Une fois dehors, elles regardèrent autour d'elles. Où est-ce que l'on est? Sur un autre versant. La chaloupe va arriver par la gauche. Nous allons descendre par ici pour la rejoindre. Tu ne veux pas que je porte Gwendoline? Tu vas t'épuiser. C'est si loin que ça? Plusieurs kilomètres, et c'est assez escarpé. Nous venons juste de partir, je peux encore la porter. Dès que je fatiguerai, je vous le dirai. Entendu. Brenna, es-tu vraiment certaine de ne toujours pas vouloir en savoir plus sur qui tu es? Tu trouveras peut-être pas de sitôt quelqu'un en mesure de te le dire. À vrai dire, je ne sais plus trop, mais c'est trop tard de toute manière. Il n'est jamais trop tard. Je commence tout juste à m'habituer à cette vie que je construis à bord du Galagorm, mais cette vie me plaît comme cela. J'ai compris que j'étais différente des humains et que nous vivons à part. J'en ai aucun souvenir et c'est mieux ainsi. Je ne veux pas avoir à choisir entre ce qui était mon chez-moi d'avant, dont je ne me souviens de rien, et ce chez-moi que j'ai maintenant. La seule chose que je veux savoir, c'est pourquoi les Guntrockers en ont après moi. Ah, je l'ignore. Mais je sens chez toi une présence magique plus importante que la moyenne. Et tu m'as dit qu'il voulait te recruter. Il est très probable que ce soit lié. Ils me traqueront donc sans relâche? Pas obligatoirement.
Peut-être qu'ils se lasseront à force. Mais j'en doute. Dans l'hypothèse où ce sont eux qui sont à l'origine de ce qu'il t'est arrivé, ils essaieront coûte que coûte de t'avoir à leur côté. Mais je pense qu'il ne faut pas voir ça que d'un mauvais œil. Le point positif est qu'ils ont l'air d'avoir beaucoup besoin de toi. En quoi est-ce positif? Tu n'as rien à craindre d'eux pour ta vie. Je n'avais pas pensé à ça, mais ils peuvent toujours s'en prendre aux personnes qui me sont chères pour m'obliger à les rejoindre. Qui accepterait de rejoindre un groupe qui vient de tuer sa famille? Ce n'est pas faux. Donc si l'hypothèse que les Guntrockers me veulent coûte que coûte à leur côté est vraie, je suis à la fois une protection et en même temps une menace pour le Galagorm et son équipage. En quelque sorte. Il faudrait trouver de quelle base ils viennent. L'amiral qui était sur le navire à la faucheuse, il disait s'appeler Ael. Ça sonne un peu gaélique. Exact. Mais nous sommes plusieurs à avoir des noms gaéliques et pourtant nous vivons ici. Rena lâcha un soupir. Nous n'avons aucune piste. Ne t'en fais pas. Ça viendra. Un peu plus en contrebas, une chaloupe remontait doucement la rivière. Owen et Gohan se relayaient, ayant ramé depuis le navire. La fatigue dans leurs bras se faisait ressentir. Pendant que l'un ramait, l'autre surveillait les alentours afin de vérifier qu'il n'y avait personne à l'horizon. Je me demande toujours comment elle va savoir où nous sommes, et nous, où elles sont. Murmura Gohan la mine sceptique. Brenna saura nous trouver. Assura le fils du capitaine. Mais comment? Je n'ai pas tout compris, mais elle a demandé ce que l'on prenne les cristaux. Je pense qu'elle suit leurs traces ou quelque chose comme ça. Je me demande comment nous allons faire pour ramer jusqu'au navire. Je ne pensais pas que nous étions aussi loin. Tant qu'il n'y a pas de soldats, rien ne nous oblige à repartir dessus. Nous pouvons bien faire une petite pause. Gohan soupira, peu convaincu. Les minutes s'écoulèrent et le ciel, pourtant clair en début de journée, s'assombrissait de plus en plus. Il ne manquerait plus que l'on finisse sous la pluie. Râla Owen en regardant les nuages qui se regroupaient rapidement. Ce n'est que de l'eau en soi. Certes, mais je pense au fait qu'il va falloir écoper que nous n'avons rien pris pour le faire. Brenna pourra peut-être... Non! Contredit le fils du capitaine. Il est hors de question qu'elle utilise sa magie pour ça. On ne sait toujours pas si ça a un impact sur sa santé ou non. Il ne faut pas prendre de risques inutiles. Mais si elle ne pratique pas, elle ne pourra pas s'améliorer, ni apprendre à contrôler tout ça. Oui, tu as raison, mais... Mais tu as peur pour elle. Il faut dire aussi qu'elle nous a fait pas mal de frayeurs dernièrement. Nous étions tous inquiets lorsqu'elle s'était foulée à la barre ou quand elle s'est pris la balle. Justement, c'est beaucoup trop frais. Elle se remet plus vite que nous de ses blessures, mais ce n'est pas une raison. D'ailleurs, ce ne serait pas elle là-haut? Demanda Gohan en désignant Niskaï portant Gwendoline au milieu des rochers, descendant vers la rivière. Brenna avait fini par céder, ayant de plus en plus de mal à avancer avec le poids de la petite fille. Non, ce n'est pas elle. Soupira Owen en plissant les yeux. Pourtant, je reconnais Gwendoline. Là! Derrière! Il y a une autre personne! Le fils du capitaine concentra davantage son regard sur la seconde femme. Oui, c'est bien elle! Owen sauta de la chaloupe et courut en direction des trois arrivantes. Il a l'air très pressé de te revoir. Sourit Niskaï en s'écartant, tandis qu'il fonçait sur la jeune femme qui avait un sourire en coin. M'a manqué. Murmura-t-il en serrant Brenna dans ses bras. Seulement un jour? Évidemment, pas toi. La seconde des Noël lui répondit d'un haussement d'épaule. J'ai eu si peur pour toi. Heureusement que tu as réussi à contacter Bryn. Bonjour Owen! S'exclama Gwendoline en lui attrapant la queue de cheval. Le jeune homme s'apprêta à se retourner pour riposter lorsqu'il se rappela que la petite fille était sur le dos de quelqu'un d'autre. Bonjour. Marmonna-t-il en se retrouvant face à l'inconnu. Owen, je te présente Niskaï. Elle nous a accueillis chez elle. Chantez. Elle ne parle que l'islandais. Niskaï, je vous présente Owen, un très bon ami. Il vous dit bonjour. Odan Dayen. Répondit-elle en inclinant la tête. Brenna aida Gwendoline à descendre par terre, tandis que Gohan arrivait, un sac dans les mains. Ravi de vous voir saine et sauve, toutes les deux. Annonça-t-il en tendant le sac à la jeune femme. On avait pris ça au cas où vous n'auriez pas mangé.
Des fruits? Merci beaucoup, mais nous n'avons manqué de rien. La seconde des Noël se tourna vers Niska et lui tendit le sac. Tenez, pour vous remercier. Inutile de me remercier. Cela m'a fait très plaisir de te rencontrer. De vous rencontrer. Se corrigea-t-elle en désignant la petite fille du regard. Le plaisir est partagé, mais prenez-les quand même. Vous nous avez nourris, logés, soignés. Vous m'avez même donné des vêtements. Sans compter votre aide pour contacter Brine. J'en serais d'autant plus heureuse si vous acceptiez ces fruits. Dans ce cas, je les prends volontiers. Posa sa main sur l'épaule de la jeune femme. Prends soin de toi. J'espère qu'un jour tu retrouveras ce que tu as perdu. Ou reconstruiras ce dont tu rêves. Reviens quand tu veux. Merci Niskaï, merci pour tout. Allez, va. L'orage ne va pas tarder à arriver. Brenna hocha la tête à regret et prit Gwendoline sur son dos. Allons-y. Soupira-t-elle en refoulant ses larmes. Mais au bout de quelques mètres, elle se retourna. J'espère sincèrement que l'on pourra se revoir. Je te le promets. Tapirir et blesse. S'exclama la fille de Brim en agitant la main. Blesse, Gwendoline. Répondit Niska en retour. La jeune femme fit un effort pour se tourner à nouveau vers la rivière et avança. Ça va pas ? Demanda Owen en tournant la tête. Si, ça va. C'est juste que je suis triste de partir. Ils sont tellement gentils. Ils ? Niskaï, Eldir, son compagnon, et Raun, leur fille. Mais ils sont comme toi ? Je n'ai pas pu voir ses cheveux sous sa capuche, mais ses yeux sont si bleus. Oui, ils sont comme moi. Mais alors, tu sais d'où tu viens, est-ce que tu es ? C'est fantastique. Brenna secoua la tête. Non, je leur ai dit que je ne voulais pas encore savoir et ils vivent à l'écart des autres, rien que trois. Nous avons surtout parlé des Guntrockers. Tu sais des choses intéressantes ? Oui, mais ça ne nous fera pas avancer. Niskaï est originaire d'une base irlandaise qui a été ravagée par les Guntrockers alors qu'elle était toute petite. Seuls deux navires ont pu s'enfuir, y compris un navire qui venait de la base d'ici. Et devine quoi, c'était une capitaine à la barre. Mais Niskaï était trop petite, elle ne se souvient ni du nom du navire, ni celui de la capitaine. Je suis persuadée qu'il s'agissait de ma mère. Mais ça voudrait dire que tu viens d'ici, pourtant. Ton prénom est bien celte. Peut-être que mes parents venaient d'Irlande ou d'Écosse et sont allés par la suite en Islande. Il est vrai que tu parles notre langue et l'islandais. Réfléchis, Owen. Peut-être qu'un de tes parents est écossais et l'autre islandais. Supposa Gohan. C'est possible. Toujours est-il que j'ai appris l'islandais dès la naissance. Niskaï m'a dit que je le parlais sans accent étranger. Brenna s'arrêta pour reprendre sa respiration. Papa, tu ne te sens pas bien ? S'inquiéta aussitôt le fils du capitaine en revenant vers elle. Tu veux que je porte Gwendoline peut-être ? D'ailleurs, pourquoi tu la portes ? Je me suis fait mal aux pieds ! Soupira la petite fille. Tu veux bien que ce soit moi qui te porte ? Lui demanda Owen. Elle hocha la tête. Quelques minutes plus tard, ils étaient rendus à la chaloupe. Les premières gouttes de pluie ne tardèrent pas à se faire sentir. Nous ferions mieux d'attendre, suggéra la jeune femme en regardant le ciel. Le temps d'arriver sur le Galagorm, nous nous retrouverons en pleine mer dans une houle déchaînée. Ça ira, ne t'inquiète pas. Assura le fils des Noël. Ce n'est pas pour moi que je m'inquiète. Tout ira bien, je te le promets. Owen, ne promets pas quand il s'agit des colères de la Terre. Nous ne pouvons pas savoir avec exactitude ce qui nous attend. Brenna, reste ici au milieu des montagnes par un orage n'est pas recommandé non plus. Allez, viens. Je regrette, Owen. Bien que je le désapprouve, si tu veux mettre ta vie en danger, c'est ton problème. Mais je ne ferai pas prendre de risques à Gwendoline. Je sais pas nager. Balbutia la petite fille. Brenna a raison. Ou pas Gohan. C'est trop risqué de prendre la mer maintenant. Elle sera en furie avant que l'on soit arrivé. À moins que... Réfléchit la seconde des Noël. Que quoi ? Demanda Owen en haussant les sourcils. Je peux peut-être nous protéger. Hors de question, je ne veux pas que tu t'évanouisses après. Commença Gwendoline en s'agitant de plus en plus du dos d'Owen. Il y a des soldats qui arrivent.
Les trois jeunes gens se retournèrent d'un bond. Une dizaine de soldats longeaient la rivière et venaient droit sur eux. Vite, tous à bord! Lâcha le fils du capitaine en déposant la petite fille dans la chaloupe. Je peux les empêcher d'arriver. Brenna, et si tu faisais un malaise suite à cela, ce serait encore pire. Nous n'en avons aucune certitude et je... Je t'en prie, tu es si mal après avoir utilisé tes pouvoirs. Je suis inquiet pour toi à chaque fois. La jeune femme soupira. Gohan se saisit des rames tandis qu'elle s'assit à côté de Gwendoline qui se blottit dans ses bras. La petite embarcation commença à partir lorsqu'elle prit subitement de plus en plus de vitesse. En levant la tête vers la montagne, la jeune femme aperçut Niskaï, une main tendue vers eux. Gohan tenait fermement les rames sans comprendre ce qu'il se passait. Gohan se tourna vers son ami. Ah, c'est toi qui nous fais aller plus vite? Je viens de te dire que... N'est pas moi, je te l'assure. Disons que nous avons un coup de pouce venant de la montagne. Quoi? Niskaï est toujours là. Il leva la tête à son tour. Tu es vraiment tombé sur la bonne personne. Murmura-t-il en remerciant intérieurement cette femme. Tomber est le mot exact, je te l'accorde. C'est littéralement ce que nous avons fait, Gwendoline et moi. Je t'expliquerai plus tard, quand le moment sera, disons, plus propice. Grâce à la magie de Niskaï accélérant la vitesse du courant, la chaloupe ne tarda pas à rejoindre l'embouchure, se jetant en pleine mer. Mais un comité d'accueil les attendait. Lâcha Owen en voyant le groupe de soldats à une centaine de mètres des deux côtés de la rive. On ne passera jamais vivant! Paniqua Gohan. Et la femme est trop loin maintenant! Elle ne peut plus nous voir, ni nous aider! Je n'ai pas dit mon dernier mot. Sur Abrina en prenant le pistolet. Non. L'arrêta le fils des Noël. On a déjà fait suffisamment de dégâts parmi les soldats. Tu vois une autre solution? Non, pas vraiment. Mais laisse-moi tirer alors, je ne veux pas que ce soit toujours toi qui aies les mains sur le dos. D'accord, tu tires pendant que j'essaye de les éloigner de la rive. Comment? Faut perdre du temps là, tire, ne t'occupe pas de moi. Owen soupira et prit le pistolet avant de viser l'un des soldats. La jeune femme laissa traîner sa main dans l'eau et son cristal s'illumina. La rivière commença à déborder, léchant les bottes des soldats qui reculaient devant cette crue soudaine. Le jeune homme tira mais rata sa cible. L'eau s'étalait de plus en plus, faisant reculer davantage les soldats. La chaloupe n'allait pas tarder à passer à leur niveau, mais aucun d'eux ne voulait se tromper. Il mit l'embarcation et ses occupants en joue. « Ça couvert !» cria Brenna en le laissant glisser contre la coque, imitée par Gwendoline. Les premiers coups de feu retentirent et une fine couche mauve lumineuse recouvrit le dessus de l'embarcation. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria l'un des soldats. « Tirez, ne vous arrêtez pas, nous finirons bien par les toucher !» Les balles ricochaient sur le halo mauve et tombaient dans l'eau. C'est impossible! Serait-ce de la sorcellerie? Vite! Prenez chaloupe! Nous allons les forcer à se révéler! Les tirs finirent par cesser. Est-ce qu'on peut relever la tête ou bien ils attendent justement ça pour nous abattre? Demanda Gohan en murmurant. J'entends leur pas s'éloigner sur le sol mouillé, répondit Brenna sur un ton tout aussi bas. Ils n'abandonneront pas comme ça, ils vont revenir à coup sûr. Assura Owen. Je crois qu'ils prennent des chaloupes. Je viens d'entendre le bruit d'une embarcation que l'on pousse à l'eau. Assura la jeune femme en se relevant doucement. En effet, une première chaloupe venait d'être mise à l'eau, tandis que des soldats, toujours sur la plage, se dirigeaient vers deux autres embarcations. Vous pouvez vous relever, mais il va falloir faire vite. Il faut nous éloigner le plus possible. Un éclair vint zébrer le ciel, accompagné de son fidèle roulement de tambour. Les vagues commençaient leur danse onduleuse. La première chaloupe supportait quatre soldats, un au rame et les trois autres avaient leur mousquet à la main. Ils veulent jouer à chat? Très bien, on va jouer. Murmura Owen en grinçant des dents. Il arma le pistolet et tira. La balle passa à côté du soldat et tomba dans l'eau. Le jeune homme se hâta de tirer encore une fois, sans faire mouche. Deux des soldats s'apprêtaient à riposter, mais Brenna fit passer une vague par-dessus leur embarcation. Ils se retrouvèrent trempés, leur chaloupe inondée. Une seconde vague déferla au-dessus de leur tête. Deux soldats tombèrent à l'eau, et tandis que les deux autres tentèrent de les aider à remonter, une troisième vague fit chavirer la chaloupe. Ah, c'est encore plus efficace que de les tirer un par un. Lâcha le fils du capitaine. Surtout quand on rate tous ses tirs, rappela la jeune femme avec les sourcils froncés. Il n'est jamais tiré avant. Tenta de se justifier, Owen. C'est bien là le pire moment pour apprendre. Mais enfin, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Tu es supposé avoir nos vies entre tes mains. C'est pas le moment pour jouer les héros alors que tu n'as jamais utilisé de pistolet auparavant. S'il vous plaît, ne vous disputez pas.
écouta Gwendoline, la tête enfouie dans la tunique de Brenna. T'as raison, ce n'est pas le moment. Bon, deux autres chaloupes arrivent. Dois-je aussi m'en charger ? Si, puisque je sers à rien. Lâcha le fils du capitaine, la mine boudeuse. Par le même processus, la jeune femme finit par faire chavirer les deux chaloupes. La première avait coulé et les soldats tentaient de nager vers les deux autres, malmenés par la houle en courroux. Ils vont se noyer ? Soupira Owen. Ils auraient moins souffert avec une balle bien placée. Arrêtez ! Cria la petite fille les larmes aux yeux, tandis que la chaloupe menaça de chavirer. Vous disputerez après, quand nous serons tous sur le Galia Gorm. Intervint Gohan dont la panique commençait à l'envahir. Le plus important pour l'instant est de rester en vie et de maintenir notre embarcation. Brenna, est-ce possible d'apaiser les flots autour de nous ? C'est ce que j'essaye de faire, mais j'ai l'impression que je ne peux pas lutter contre les colères de la nature. Je ne veux pas mourir ! Gémit la fille de Brynn, toujours recroquevillée contre Brenna. Ça n'arrivera pas aujourd'hui, je te le promets. Qu'on fait ? Questionne Owen en se cramponnant. On va pas attendre que ça se calme, en priant pour ne pas chavirer. Il n'y a rien d'autre à faire. Soupira le mousse. Je ne peux pas contrer les vagues, mais je peux quand même nous faire avancer vers le navire. Tu as déjà trop utilisé tes pouvoirs pour aujourd'hui. La retint le fils des Noël. Essaye encore une fois de m'empêcher d'utiliser mes pouvoirs et tu passes par-dessus bord. Mais... Il n'y a pas de mais, Owen. Je ne voulais pas prendre la chaloupe pour justement éviter cette situation. Je n'ai pas arrêté les premiers soldats parce que tu ne voulais pas que j'utilise mes pouvoirs. Par respect pour toi, je t'ai écouté. Et voilà où nous en sommes. J'aurais dû les empêcher d'approcher. Nous aurions pu rester sur la montagne en attendant que l'orage passe. Mais au lieu de ça, je me retrouve à devoir noyer une douzaine de soldats pour ne pas qu'on se fasse tuer alors que nous sommes coincés au milieu d'une mer déchaînée dont vous n'êtes pas certain de pouvoir nous en sortir. Peu m'importe si je tombe à l'eau, mais vous ferez quoi, hein ? Plus personne ne parlait. Seul le bruit du tonnerre et de la pluie cinglante se faisait entendre. La forme d'un navire apparut au loin, crevant l'épaisse grisaille. Le Galagorm ! S'exclama Gohan en le pointant du doigt. Bon, tout le monde se calme. Brenna, nous fais aller plus vite. Notre navire arrive vers nous. On doit en priorité garder l'équilibre de la chaloupe. Une minute s'écoula de nouveau dans le grondement furieux venant du ciel. Les deux jeunes hommes tentaient d'équilibrer l'embarcation comme ils pouvaient, tandis que Brenna centrait sa magie à l'arrière pour aller plus vite. Mais d'un seul coup, sans qu'aucun d'eux ne sache pourquoi, la chaloupe se retourna violemment, comme si quelque chose ou quelqu'un l'avait subitement retourné du dessous. La jeune femme se hâta d'attraper Gwendoline et la tira vers la surface. La petite fille cracha et toussa en même temps. En regardant la chaloupe à l'envers, elles virent avec stupeur que le fond était brisé. Owen et Gohan refirent surface peu de temps après et prirent de grandes bouffées d'air. « Il y a quelque chose dans l'eau », annonça Brenna. « Ce quelque chose nous a éjectés de la chaloupe. » Au même moment, une forme ressemblant fort à un aileron sembla fendre sur eux. « Un requin !» glapit le mousse dont la figure se décomposait. « Nagez vers le bâton. Je vais tenter de le retenir. » assura la seconde des Noël. « Gohan, prends Gwendoline. C'est plus prudent. » Il hocha la tête avant de tenir fermement la petite fille. Tandis qu'il s'éloignait, Brenna se laissa aller sous l'eau, persuadée qu'il ne s'agissait pas d'un requin. Elle se retrouva nez à nez avec un dauphin, bien plus grand que d'ordinaire. Surpris, il s'arrêta. La jeune femme tendit doucement sa main vers lui pour le rassurer. Elle était fascinée par sa prestance. Le dauphin émit une série de clics. Il pensait que la chaloupe transportait des soldats. Devant la moue sceptique de Brenna, il décida d'aller aider les autres à rejoindre le galet à cornes. Mais en rejoignant Gohan et Gwendoline, la seconde du capitaine s'aperçut que quelque chose n'allait pas. « Où est Owen ?» La panique se lisait sur les yeux du mousse. « Il était derrière moi, il y a encore 30 secondes à peine, mais quand je me suis retourné, il n'était plus là. Je ne sais pas quoi faire avec la petite. » Brenna fit signe au dauphin de faire surface. Accrochez-vous à lui, il vous ramènera jusqu'au navire. Je vais chercher Owen. Sans attendre de réponse, elle plongea. Le fils du capitaine n'était pas loin mais n'arrivait plus à remonter. Elle lui attrapa le bras et le tira hors de l'eau. Ils sont trop puissants, je n'avais plus la force de nager. Sans répondre, Brenna continua de le tirer en direction du Galia Gorm. Le cétacé, qui avait déjà déposé Gohan et Gwendoline à l'échelle, arrivait vers eux. Les deux jeunes gens s'accrochèrent à leur tour et atteignirent rapidement le navire. Owen se dépêcha d'attraper l'échelle et commença à monter, mais la jeune femme restait dans l'eau. Que tu attends ? Viens ! Elle l'ignora complètement et posa sa tête contre celle de leur sauveur.
Comment se fait-il que tu sois si imposant par rapport à tes congénères ? Murmura-t-elle en se reculant doucement. Il répondit par une série de clics avant de disparaître sous l'eau. La seconde des Noëls se résigna enfin à grimper l'échelle. Une fois sur le pont, elle s'aperçut que tout le monde était là. Brynn serrait Gwendoline dans ses bras, tandis que plusieurs mousses donnaient des couvertures à Owen et Gohan. Quelqu'un lui entendit une aussi, mais elle la déclina et se dirigea vers le capitaine à la barre. Ravi de te revoir, Brenna. Le plaisir est partagé. Cela m'étonne que vous ayez été surpris par l'orage. C'était pourtant prévisible avec les nuages qui arrivaient. Enfin, tout le monde est sain et sauf, c'est ce qui compte. Ça a failli ne plus être le cas. Lâcha la jeune femme en soupirant. Et si nous savions pour l'orage, mais nous avons été pris au dépourvu par des soldats. La fuite la plus simple semblait être par la chaloupe. Chaloupe qui est ? Sûrement au fond de l'eau à présent. Un dauphin l'a endommagé en pensant que nous étions des soldats. Le dauphin qui vous a ramené ici ? Oui. Il s'est rendu compte après coup de son erreur. Je n'avais encore jamais vu un dauphin aussi gros. De ce que j'ai compris, ce n'est pas un dauphin ordinaire. D'accord. Et qu'est-ce que c'est dans ce cas ? C'est... Je vous laisse avec votre fils. Murmura-t-elle en voyant Owen venir dans leur direction. Elle partit rapidement en empruntant l'autre escalier et se rendit dans sa cabine. Sans même prendre le temps de se changer, elle s'assit dans l'encadrure de la fenêtre, le regard perdu dans l'orage qui s'éloignait progressivement. Elle ne sentait plus du tout ses blessures et se rappela que Niskaï avait parlé du fait qu'il aurait fallu qu'elle aille dans l'eau pour que ses plaies cicatrisent complètement, ce qui était maintenant chose faite. Les rayons du soleil commençaient à percer les nuages à l'endroit où ils étaient au plus fin. La porte s'ouvrit sur Gwendoline et sa mère. Là, dans la vallée. Brynn. C'est à cause d'Owen. Soupira la petite fille en baissant la tête. La femme rousse posa sa main sur l'épaule de Brynn. C'est passé. Je n'ai pas envie d'en parler. Je suis tellement énervée. Je vois. Vous êtes disputée. Tu sais, ça prévient tout le monde. Pas quand tu as des vies entre tes mains. Je suis désolée, Brynn. Je ne veux vraiment pas en parler. Comme tu voudras, mais si un jour tu en ressens le besoin, je serai là. Merci. Les coups retentirent à la porte. Brenna, je sais que tu es en colère après moi, mais s'il te plaît, permets-moi au moins de m'excuser. On dirait bien que tu vas malgré tout devoir en parler. Murmura Brynn en regardant la jeune femme avec une moue désolée. C'était pas de quoi il retourne, mais tu devrais quand même écouter ce qu'il a à dire. Après avoir lâché un soupir, la seconde des Noël ouvrit la porte. Je pensais que tu étais seule. Ça te dérange de venir parler dans ma cabine ? Demanda-t-il, gêné. Elle secoua la tête sans répondre. Une fois qu'ils furent dans l'autre cabine, après avoir pris soin de fermer la porte, le fils du capitaine baissa la tête, penaud. Brenna, je tiens à m'excuser pour tout à l'heure. J'aurais dû te le dire que je savais pas tirer. Je suis désolé, sur le moment, je n'avais pas conscience que ça pouvait nous mettre en danger. Pas conscience ? Sérieusement, Owen, ils étaient une douzaine. T'as tiré 3 fois sans jamais en toucher un seul. Pourquoi n'avoir rien dit pour tenter de m'impressionner ? Pour tenter de jouer les héros ? À quoi rimait tout ça ? C'est quoi ? Oui, j'ai voulu jouer les héros. Et oui, je voulais t'impressionner. Mais pourquoi ? Tu te rends compte que nous aurions pu tous être tués ? Brenna, je suis vraiment désolé. J'ai été idiot et égoïste, je le reconnais. C'est toujours toi qui me sauves. Je voulais te montrer que je pouvais très bien nous sauver pour une fois. Je voulais aussi t'éviter de tuer à nouveau. Le moment était très mal choisi. M'éviter de tuer ? Oh bravo, Owen ! Ça a tellement bien fonctionné que j'ai dû les faire chavirer pour qu'ils ne puissent pas nous tirer dessus. Et ils se sont tous noyés. J'ai 12 morts de plus sur les bras. Vraiment désolé. Si tu savais à quel point je me sens minable, je suis tout de travers. Écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour m'impressionner. Ou je ne sais quoi. Je t'apprécie comme tu es et pour ce que tu es, pas pour l'image que tu veux te donner. Moi, vraiment, j'ai du mal à me défaire de cette image qui dit que c'est toujours l'homme qui vient à rescousse. J'ai donc touché ton orgueil, un point très sensible. Je sais que j'ai été blessante et j'en suis désolée. Non, ne t'excuse pas, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Depuis le début, tu me mettais en garde à propos de l'orage. Je ne t'ai pas écouté alors que tu es la mieux placée. J'avais tellement peur pour toi que je ne voulais pas que tu utilises tes pouvoirs. Je suis vraiment désolée. Plus jamais je ne te dirai de quoi faire à propos de ta magie. Je vais essayer de mettre mon orgueil de ma fierté de côté. Je ne te promets rien, mais je vais essayer.
Tu avais raison sur toute la ligne. Je vais présenter mes excuses à Gowan et Gwendoline pour les avoir mis en danger. Mais toi, tes mots m'ont fait mal sur le moment. Très mal. Mais tu avais raison de m'en vouloir, je ne t'excuse pas. Ça m'a blessé, certes, mais ça m'a surtout fait réfléchir, alors merci. Merci de m'avoir sorti l'eau. Tu as déjà mis ton orgueil et ta fierté de côté, on dirait. Face à toi, j'arrive plus facilement à accepter le fait d'être sauvé plutôt que de sauver. Tu sais, quand j'ai pris le pistolet, je voulais vraiment t'éviter de tuer les soldats ou au moins t'éviter quelques morts. J'étais persuadé que j'allais y arriver, ça ne me paraissait pas si compliqué. Tu n'es pas obligé de me pardonner, j'ai conscience que ça aurait pu coûter la vie à Gwendoly et Bryn. Aurait été dévasté, je ne me serais jamais pardonné. Le pire a été évité, c'est ce qui compte. Tu me pardonnes alors? Je ne sais pas, je suis encore trop en colère. Navire en approche! Et il y a un mousse sur le pont.